Salut tout le monde, c'est SoCoolMinic37, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 76, 76 ou encore 76. Et je suis en compagnie du fidèle Nono Manga, que vous connaissez tous. Salut. Comment ça va? Bien et toi? Ça va super. Alors, si vous vous souvenez, j'ai déjà fait deux vidéos sur ce sujet où je présentais trois camps ou quatre dans les vidéos. J'en ai fait deux d'ailleurs, je vous affiche ça sur l'écran. Donc d'ailleurs, même je vous faisais gagner un PlayStation VR et 500 balles dans l'une d'entre elles, et l'autre c'était le résultat, voilà, vous savez, vous irez voir, ce sera dans la description si vous voulez checker. Donc là nous allons partir pour trois localisations pour être votre camp, trois localisations qui sont différentes de celles que j'ai pu faire, et ça sera toujours 3 par 3 et je ferai plusieurs vidéos sur le sujet. Voilà. Donc c'est parti, sans plus attendre, nous allons nous TP à l'endroit numéro 1. Et là, on se retrouve devant la localisation numéro 1. L'endroit où vous pouvez faire votre camp, donc on se retrouve ici. Voilà, je vous fais afficher sur la map où on est. Donc on est pile ici, voilà. Donc pas très loin de Floodwood et du pont et du complexe de New River. On est juste ici, voilà. Ou au pire, le faisan que vous voyez là, bah c'est là. Alors, souvenez-vous, j'ai fait la localisation ici, donc là-bas. Vous voyez, faire un camp là-bas pour avoir tout ça en paysage. Hein. Et avoir le pont en paysage là-bas. Ah, je me fais attaquer, d'accord. L'arme toujours évidemment déchargée. Voilà. Donc quelqu'un a déjà fait son camp ici, comme vous voyez, j'allais dire comme par hasard, mais comme vous voyez, c'est assez connu, hein, donc il y a beaucoup de gens qui font leur camp ici. Donc voilà. En fait, il faudrait peut-être refermer tout ça l'avant, donc mettre une porte, voilà, etc. Parce que les escaliers sont déjà faits. Et bon, le banc évidemment, on ne pourra pas les retirer. Hein. Mais voilà, regardez, vous avez quand même une belle vue. Hein. Après, vous pourrez décorer à l'intérieur. Donc voilà. Si ça vous intéresse, rejoignez mon Discord. J'ai créé un salon pour les camps. Donc, si vous faites les camps que je vous ai montrés dans les vidéos, donc les deux précédentes et celles-ci et celles qui arriveront, je vous invite à poster vos photos dans le Discord, hein, dans le salon privé à cet effet. Comme ça, on notera votre camp et peut-être que je ferai un concours là-dessus de nouveau. Pourquoi pas. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Nono, de ça? Ça peut être bien. J'aime bien aussi, c'est les gens qui font des camps, mais genre des petits villages. Donc il y en a un qui avait fait, je vous afficherai les screens, hein, une chapelle, une maison, un shop, enfin, c'était vraiment pas mal quoi. Et puis même, t'as des joueurs qui font, qui posent leur camp, qui font leur camp, t'as son ami qui pose un camp à côté, ça fait comme un village à la fin. C'est pas mal aussi. Bon, on va aller au deuxième endroit de localisation pour faire un camp, et moi je vous dis, du coup. Ouais, on se retrouve devant la deuxième localisation pour faire votre camp. Donc voilà, vous avez vu que cette vidéo c'est vraiment les camps déjà faits. Donc c'est vraiment vous posez 2-3 murs, une porte, quelques décos, voilà. Donc ça peut être vraiment pas mal, ça peut rendre vraiment l'endroit lumineux déjà avec les lumières et puis les décorations. Et puis vous avez quand même une belle vue, hein. Vous avez le sommet du monde qui est là-bas d'ailleurs. Et puis vous avez les alentours aussi. Donc on va rentrer dans cette maison, première personne, voilà. Donc vous avez déjà la cuisine, il y a tout qui est déjà fait en fait. Le salon, les chambres, tout ça, même bah, les toilettes, hein, la douche, voilà. Bon, les toilettes et la douche ensemble, je ne pense pas que ça fasse bon ménage, mais c'est pas grave, voilà. Et puis vous avez l'arrière, voilà, avec. Vous pouvez faire un jardin ici, voilà. Donc ce qui est bien, c'est là, on mettra une porte là-bas aussi, et puis regardez, il y a même déjà des trophées. Et puis là, il suffit juste d'aménager une lampe, quelques étagères, des trucs de trophées, des établis, des ateliers. Tout ça, ça peut rendre vraiment le lieu assez beau, hein. Voilà. En plus de la vue, comme je vous ai dit. En plus, il y a le barbecue, tout ça ici, ça peut rendre vraiment bien. Je pense, franchement, moi personnellement, je connais la troisième localisation, mais jusque présent, c'est celle-ci ma préférée, hein, des deux. Et alors, n'hésitez pas à donner votre avis aussi, à citer laquelle des trois vous préférez dans les commentaires. Voilà. En plus, vous avez déjà l'antenne là-haut. Incroyable ça. Donc, je vais faire. Voilà, alentour ce que ça donne, voilà, cette petite maison comme ça. Au milieu de tout, au milieu de nulle part. Hein. Voilà, c'est vraiment. Ah, il y en a une deuxième là-bas. J'ai pas vu, il y en avait une deuxième là-bas. Avec l'étoile rouge. C'est vrai que cette maison-là aussi peut être habitable. En plus, oui, il y a même un étage, celle-ci. Bon, il n'y a pas quatre chambres, il n'y en a qu'une, mais. Loin de ressembler à la mienne irréelle, mais c'est vrai que c'est pas mal. En plus, vous avez même une bonne arcade là. C'est pas utilisé, mais c'est pas grave. Bon, cette maison est déjà plus grande que l'autre, mais au moins, regardez, si vous. J'allais pas parler RP parce que le RP, bon, voilà, vous savez ce que j'en pense. Hein. Mais au moins, si vous avez un ami qui recherche ce genre de camp, voilà, vous pouvez habiter à même pas 50 mètres de l'autre, c'est vraiment pas mal. Hein.
Voilà. Donc là, c'est double localisation, quoi, tout simplement. Bon, on va se retrouver pour la troisième localisation, la dernière de la vidéo. Et moi, je vous dis du coup, Erreur, on se retrouve pour la troisième localisation. Et je meurs enfin d'ailleurs. Voilà, donc ça se trouve exactement ici. Donc voilà, juste ici. D'ailleurs, je vous ai pas montré la deuxième localisation. Voilà, j'ai complètement zappé. Donc là, c'est la première. Enfin, c'est la troisième ici, du moins. Voilà. Près de Grafton, tout simplement. Et l'autre localisation. Donc la deuxième localisation avec les deux maisons en bois, tout ça, c'est juste ici. Voilà. Voilà. Donc du coup. Donc voilà, toujours deux maisons déjà faites. Il n'y a plus qu'à décorer et à mettre une porte pour celle-ci, du moins, voilà. Bon, celle-ci est plus petite que cette maison-là, mais vous pouvez toujours venir avec un ami faire votre camp ici et être voisin, tout simplement. Donc voilà, il suffira juste d'éliminer quelques mobs. Vous avez vu, voilà, fourgeux, tout ça. Il y a un étage aussi, voilà, un petit étage, pas très grand, hein, voilà. Voilà, c'est déjà pas mal, c'est déjà vraiment pas mal. Puis bah, pour l'autre maison, il y a déjà une porte. Il y a déjà une porte et un barbecue aussi. Voilà, c'est très important le barbecue. Une cuisine, bon, quelques mobs à éliminer, mais c'est bon. Ah, et aussi, il y a un établi de chimie ici. Voilà. Et puis, bah, là, il y a l'étage. Et, ah non, je pensais que ici c'était. Ok, d'accord. Ok, vous avez le lit. Et vous avez également. Bah, ah, bah, ok, d'accord. Ouais, vous avez encore les toilettes et la douche juste à côté, hein, donc ça fait pas bon ménage comme vous l'avez dit, mais c'est pas grave, hein, on fait avec, hein, puisque c'est de la Appalaches et c'est la survie. Donc voilà, c'est pas grave. Hein. De toute façon, normalement vous êtes tout seul dans votre maison, ça devrait pas trop vous gêner. Hein. Voilà, donc c'est pas trop mal. Hein. Personnellement, je préfère quand même la deuxième localisation pour ma part. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires pour ça. Alors, je m'installerai peut-être dans la deuxième, c'est vrai que c'est assez tentant quand même. Hein. Peut-être avec Nono, qui sait. Hein. Donc là, il pourra pas me répondre parce qu'il est au téléphone, mais voilà. C'est vrai que c'est vraiment pas mal. Donc, je vous invite à rejoindre mon Discord et à poster vos photos dans le salon, prévu à cet effet, dans le salon des camps, tout simplement, que ce soit sur PC, Xbox ou PS4, peu importe. Je vous noterai, on vous notera, les abonnés aussi vous notera. Je ferai peut-être certainement des concours là-dessus aussi. Voilà, pourquoi pas. Le plus beau camp recevra, machin, avec un classement, etc. Et puis ben voilà, comme ça on peut voir un peu ce que vous avez fait au niveau de ça, donc voilà. Et même si c'est pas avec les camps que je vous présente en vidéo, c'est pas très grave, de toute façon ça reste des camps et ça reste quand même des créations de Fallout 76, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter pour que je puisse avoir vos avis et à vous abonner si cela n'est toujours pas fait. Et moi, je vous dis bye tout le monde.